بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن أصدق الحلا الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تطلعون يا بطين الله عز وجل سيغور دي نولو لون نولو غلوريشن بور تو في فير Nous demandons à la de nous aider dans tout ce que nous faisons et de nous pardonner pour tous nos péchés. Nous demandons protection contre les méfaits de nos âmes ainsi que les conséquences de nos mauvaises actions. Sachez que celui qui a la guide, personne ne peut l'égarer. Et que celui qui a la égard, personne ne peut guider. J'atteste en cela que nul n'est en droit d'être adoré accepté, à Allah seul sans associé, Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager qui l'a envoyé à toute l'humanité et le dernier de ses prophètes. Ceci étant dit, à Sachez que la meilleure des paroles est la parole d'Allah et que la meilleure des guidées est celle de son messager, Sallallahu Alaihi Wasallam qui est la Sira, qui est la Sunna. Et les pires des choses sont les choses nouvellement inventées dans la religion, car toute invention est appelée innovation et toute innovation dans la religion est également, et tout également mène au feu de l'enfer. Nous demandons à Allah de nous en Ceci étant dit, nous continuons Aujourd'hui sera la neuvième assise de notre livre minal kitab wa prendre ta croyance du livre d'Allah et de la sunna authentique de son messager Sallallahu Alaihi Wasallam. Alors aujourd'hui, nous sommes en face d'un nouveau chapitre. Après avoir clarifié le chapitre précédent qui concernait -jihad, ou -wala, ou -hukm, le djihad et l'alliance et le désaveu, ou -hukm, ainsi que le jugement, nous entamons ce nouveau chapitre -là que le cheikh il a nommé Al-Amal bil quran ou hadith œuvrer avec le Coran et le Hadith. Yani pratiquer le Coran et le Hadith, la mise en pratique du Coran et le Hadith. Pourquoi ce chapitre-là Le cher par cela, alam, nous montrer quelles sont les sources desquelles nous, les musulmans, devons tirer notre religion. Tayyib. Car le fait de ne pas connaître ces sources-là ou de les ignorer a apporté beaucoup d'égarement chez certains musulmans. Tu vois d'autres personnes prendre pour source avec lesquels ils prennent les religions, les rêves. D'autres prennent dans les coutumes, les justes et les coutumes. D'autres, c'est dans la parole de l'échou, sans vérification, sans authenticité. D'accord D'autres les prennent dans les contes et les histoires. chers, il a voulu par ce chapitre, la Wallahu ta'ala, nous montrer quelles sont les sources desquelles le musulman doit tirer sa religion, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans les adorations, que ce soit dans le comportement, que ce soit dans les mœurs, alors le musulman tire tout cela dans le livre d'Allah. Comme pour dire, tout ce qui n'est pas confirmé dans le livre d'Allah ou dans la sunnah, même si les gens voient dans leur coutume que cela est un bien, alors il faut qu'ils sachent que cela est un mal. Car, comme le Messiah le disait, Wa al-Hadi, Hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure des guidées est celle envoyée par son Messager sallallahu wa Il n'y a pas de coutume qui soit meilleure que celle-là. Il n'y a pas de façon de vivre, de mœurs qui soit meilleure que celle apportée par le Messager d'Allah Même si vous ne voyez pas la pertinence du peu de science qu'on a, mais c'est elle qui est la meilleure. Et si on la suit, c'est elle qui est réformatrice qui peut arranger le monde entier. C'est ce qu'il faut savoir. Voilà pourquoi il dit Al Amal bil Quran ou Hadith, la mise en pratique du Coran et le hadith. C'est <coughs> le nom du chapitre. على كشان نمرو 49 الشيخ اللي السؤال التاسع والأربعون كشان نمرو 49 لماذا أنزل الله القرآن pourquoi الله عز وجل أتيل ريفيلي القرآن c'est une grande question d'autres pensent que le Coran a été révélé seulement pour la lecture et avoir la baraka c'est tout voilà pourquoi ils ne le lisent que quand quelqu'un décède chez eux ou bien quand ils ont un baptême ou bien quand ils sont rassemblés pour une walima c'est là qu'ils lisent le Coran فَاللَّهُ al-Musta'an Il ne sait pas le but réel, pourquoi Allah a fait révéler ce livre-là. Alors, c'est la première question de ce chapitre-là. Pourquoi Allah a-t-il révélé le Coran Question numéro 49. Alors, la réponse du Cheikh, il dit, Allah a révélé le Coran pour qu'il soit mis en pratique. Et pour cela, il faut le comprendre. Voilà pourquoi il faut étudier la science. Ou écouter les gens qui vous expliquent le Coran de façon correcte. Conformément aux hadiths et aux traces des plus prédécesseurs. Alors, le Coran a été révélé pour être mis en pratique. Alors, le Très-Haut, il dit Suivez donc ce qui a été révélé de la part de votre Seigneur pour vous. Et ce qui a été révélé, c'est quoi C'est le Coran et les hadiths du Messiah. Et aussi, ce sont les révélations, comme on va le voir. Allah dit Suivez ça. Et ne suivez pas en dehors de cela des maîtres Réfléchissez-vous donc peu Vous dites que Si vous ne suivez pas le Coran et les ح... hadiths ح... ح... Qu'est-ce que vous allez suivre donc Qu'est-ce qu'il y a alors après la vérité Si ce n'est légalement On se pose cette question-là qu nous en préserve le messiah, sallallahu lui dit Lisez le Coran." Et mettez-le en pratique. Et ne cherchez pas à manger avec le Coran. Allahu Akbar. Hadith immense rapporté par l'imam Ahmed dans ses sunan. Il dit, lisez le Coran et œuvrez avec le Coran. Et ne cherchez pas à manger avec le Coran. Et ne mangez pas avec le Coran. Qu'est-ce que ça veut dire ce hadith-là Comme les savants, il explique. Pour dire, le Coran a été révélé pour être lu, compris et mis en pratique. Et aujourd'hui, les gens ont pris sa lecture. Pour la pratique elle-même, comme les salaf le disaient. Et aujourd'hui, c'est pire. Ils ne s'entendent même pas à la pratique. Ils utilisent la lecture pour chercher de l'argent. Des concours qu'ils mettent sur pied, où le premier, il a des millions. Et tu le vois, il est le plus égaré des gens. Mais parce qu'il a une belle voix dans le Coran, alors il est décoré, il a les titres par-ci, il a les titres par-là. Pourtant, c'est un innovateur. Et les gens, ils vont le respecter pour cela. Ils vont mettre leur confiance. Ils vont lui faire confiance dans leur religion et il va les égarer en s'égarant lui-même. Alors, le Coran a été révélé pour être lu, compris et mis en pratique. Qu'Allah nous facilite cela. Question numéro 50. Al-Hadith ou Awasou'al Al-Khamsoun. Ma amal bil-Hadith Quel est donc le jugement de mettre en pratique le Hadith authentique Comme on voit des gens de la Bida le disent. D'accord Que non, tous les Hadiths sont faux. Le Coran nous suffit. Et principalement, ces derniers qui sont sortis là, hein, ils étaient là auparavant, mais ils avaient disparu dernièrement. Et les gens les garés qui sont là, faire vivre, leur voix encore, qui se font appeler les Coranéons, les Coranistes. D'accord, voici des gens égarés qui viennent et qui disent que effectivement euh, on ne doit pas vivre avec les hadiths. Et qu'on doit seulement vivre avec la sunnah, euh, avec plutôt le Coran. Et... Ils ont fabriqué des manières de prier chez eux en balayant toutes les, toutes les, paroles, de, toutes les paroles de leur les paroles de leur prophète, salam, qui a rapporté même ce Coran là, comme si c'était un prophète qui était muet, d'accord? Et ses paroles ne comptent même pas. Ça y est? Et ils pensent que c'est ça la guider. Pourtant, ils sont très, ils savent très bien qu'ils sont l'égarement. Car quand tu leur poses la question, toi qui dis qu'on ne doit pas y vivre avec le hadith à l'aide de le Coran, wa sola, salah, wa atu zakah accomplissez la prière et acquittez-vous la zakat. <coughs> tu lui poses la question, comment je dois accomplir la prière Il ne saura pas t'expliquer. Car ces détails ne sont pas donnés dans le Coran. Ces détails se trouvent dans les hadith. Si tu ne te réfères pas aux hadith pour comprendre le Coran, comment tu peux espérer comprendre le Coran C'est un égarment qui est clair. Alors ces gens se c'est une réfutation contre cela. Faites très attention. Même si des gens ne s'affilient pas à eux, mais ils ont leurs idéologies en tête. Ceux qui refusent les hadiths. Et la majorité des gens de la Bida qu'on voit aujourd'hui ici, ils sont dans cette posture-là, refuser les hadiths. Car beaucoup de leurs également qu'ils apportent aux musulmans sont réfutés depuis 1400 ans par les hadiths. La majorité sont réfutés par les hadiths. D'accord Tu ne trouveras aucune réfutation, comme le chercheur Asindi a dit, aucune innovation ou aucun mal sans que son remède ne soit déjà présent dans la législation, soit dans le Coran, soit dans la Sunna soit de façon directe ou des façons indirectes. Pour ceux qui comprennent bien le Coran et la Sunna et savent tirer les conclusions et savent tirer les arguments. Alors le cheikh il dit "Ma amal bil Quel est le jugement de mettre en pratique le hadith authentique Al-jawab la réponse il dit "Al-amal bil le fait de mettre en pratique le hadith authentique œuvrer avec cela wajibun. Cela est obligatoire. Qu'est-ce qui veut dire obligatoire si tu délaisses, tu es pécheur. Et si tu le fais, tu as des mérites. Toiib, cela est obligatoire de vivre avec les hadiths. L'école Coran, Allah Ta Ala, parle, parle, d'Allah Azawajalla, Allah nous dit: Wa ma atta'ku muraasulu fakruzuhu. Toiib, ce que, ce avec quoi le Messager de Allah est venu vers vous, Toiib, fakruzuhu. Wa ma nara'ku anhu wantaahu. Et selon, il a interdit, écartez-vous-en. Pour dire, les paroles de votre messager comptent aussi comme celles d'Allah. Pourquoi Il ne parle jamais sous l'effet de la passion. Si ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. Tout ce qu'il dit, c'est une révélation qu'Allah lui donne. S'il dit, ça fait partie du Coran, on l'écrit comme faisant partie du Coran. Mais s'il dit, ça ne fait pas partie du Coran, alors on l'écrit comme en faisant partie des hadiths Mais c'est aussi une révélation. Et Allah nous dit de prendre cela et de mettre en pratique. Ce que votre messieurs vient envers vous avec, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit de faire, alors, écartez-vous-en et délaissez-le. Cela est très important pour comprendre qu'on doit œuvrer avec le Coran et le Hadith. Encore la est lui encore pour appuyer cela Il dit, le Messieurs-Salam, allez, je vous enjoins ma sunnah. Et la sunnah de mes califs, bien guidés, al-Mahdiyin qui sont sur la bonne voie. Accrochez-vous à cette sunnah là. Quand est-ce cela À la fin du monde où l'islam sera divisé, où il y aura des groupuscules qui vont naître, des sectes qui vont s'affilier à l'islam, quand vous verrez cela, alors revenez chaque fois à quoi À ma sunna, à ma pratique et à la pratique de mes compagnons. Voilà pourquoi nous, les gens de la sunnah et du consensus, nous appelons les gens à revenir sur la voie des salaf. Les salaf qui sont ces hommes-là même qui ont mis en pratique cette sunna-là et qui l'ont rassemblée et qui nous l'ont fait parvenir. À salaf, ridja sunna. Les salaf ce sont tous les hommes de la sunna, ceux qui ont préservé cette sunna-là. Taïb quand tu t'entends pieux prédécesseur les hommes pieux qui nous ont précédés avec cette religion-là. Taïb c'est eux qu'on appelle les salaf. Alors te dire sunni. Je suis Souné, je suis la Souné, je Salama, ça équivaut à dire je suis Salafi, je suis les salaf. Car les Salafs sont les hommes qui ont pratiqué et ont transmis ces, cette religion-là à ceux qui sont venus après eux. Cela est très simple à comprendre. Quand tu vois quelqu'un de la Bida faire des efforts pour vouloir nier ce nom-là, qu'il ne faut pas qu'on se dise Salafi, comme le cas de Majid Kasoubia, qui est un homme ignorant d'abord de sa religion, ça fait un. Deux, il est égaré. Il suit la secte des Ikhwan et le Et ce gars, il vient et il te dit Oui, Allah nous a appelés musulmans. Délaissons toutes ces nominations. Salafi, tijani, Subhanallah, il a Comme si ces nominations étaient venues sans cause. D'accord Qui nous a dit de suivre sa sunnah quand la division va venir N'est-ce pas le message sallallahu alayhi wa sallam Comment tu veux venir dire et faire fi de tous ces, de, de ces ahadiths-là Dit on doit simplement se dire musulman. Comment on peut comprendre cela Il a dit, celui qui vivra après moi, il va y avoir beaucoup de divergences dans la religion. Et les swaba lui ont demandé, si ça arrive, quelle est donc la solution Il a dit, restez sur ma ne suivez pas ces nouvelles branches-là. La tidjaniya, qui l'a donné ce sont eux-mêmes. Soufis et les animaux soufis, ce sont eux-mêmes. Pourquoi Parce que les pratiques ont changé. Quand les pratiques changent, c'est obligatoire que les noms aussi changent. Ce qui est net et clair. Quand les pratiques changent, les noms aussi vont changer. D'accord Et toi, tu viens, tu dis non, on n'a qu'à faire fi de tous ces noms-là. On n'a qu'à se dire musulmans. Quand cette question a été posée à Cheikh al-Albani, qu'est-ce qu'il a dit Faites l'effort de dire aux gens qui ont changé la religion-là, de revenir à ce sur quoi étaient le les Prophètes Salam et ses compagnons, et ainsi nous tous, nous allons nous appeler musulmans. Si vous arrivez à faire cela, les faire délaisser le fait de s'appeler Tidjanit, Soufit, shia, Adiria, Narchabandia, Djitsia, hein? si vous arrivez à les faire revenir dans la pratique, pas dans les nominations ou dans la bouche seulement, dans la pratique, les faire revenir à ce sur quoi était le prophète Salam et ses compagnons, alors nous allons tous délaisser le nom salafi et nous allons nous dire musulmans. Car autant de M. Il n'y avait pas de groupe. Voilà pourquoi le nom qui était connu, c'était musulman et sunna. Islam wa sunna. C'est ce qui était connu dans le musulman. Mais quand la division vient, et que quelqu'un s'affilie à son chir, quelqu'un s'affilie à sa branche, quelqu'un s'affilie à ses coutumes, tu veux que moi, je délaisse la sunna et que je dise que je suis même chose avec cette personne-là, sans faire de distinction Cela est, un, est une trahison qui, qui, qui ne dit pas son nom. De la part de cet homme-là, qu'on appelle Abdul Majid. al musta'an. Et ces gens de garés là, ils passent leur temps à afficher leur absurdité et leur sottise sur les réseaux sociaux devant les gens. Mais tu vois des musulmans qui les font confiance. Wallah, c'est vraiment aberrant quoi. C'est vraiment écœurant, ça, ça fait vraiment mal de voir des musulmans qui se disent intellectuels, qui avaient même des bases dans la compréhension de la sunna sur ces gens de personnes là. Car avec ces gens de discours là, ils tuent votre sunna carrément de votre cœur. L'amour de la sunna que tu avais avant de le connaître, il va tuer cet amour de la sunnah là. Il va te faire, tu vas te considérer comme les gens de la bidha. Tu ne vas plus faire de distinctions. Tu vas te dire simplement, on est tous musulmans. Est-ce qu'on est tous musulmans sur la même pratique? Quand tu pries, tu fais comment? Ta croyance, c'est quoi ta croyance? Et les autres là, c'est sur quelle croyance ils sont? Quelles sont leurs méthodologies? Ceux qui prennent leur religion des rêves, et ceux qui prennent les religions des textes de la Sunna et du Coran, comment cela peut-il être la même chose Est-ce que ceux qui savent peuvent être au même niveau que ceux qui ne savent pas Peuvent être comparables à ceux qui ne savent rien Abaddon Cette religion est une religion de science. C'est le Coran et la Sunna qu'on met en pratique. Les femmes et les salaf avec la compréhension des plus prédécesseurs. Et si ce homme-là, il vient avec ce genre de sottise là pour vouloir, selon lui, hein, rassembler les musulmans. Cela est impossible. Dites-le que c'est impossible. Car le message de il a dit, quand la division arrivera, ne cherchez même pas à réparer. Il n'a même pas donné de solution pour essayer, pour, pour comment dirais-je, faire revenir tout cela. Car, Car ça, c'est le décret d'Allah, et ça va arriver. Ils ont donné simplement la solution. Pour nous dire comme pour nous dire ne vous fatiguez même pas à dire que vous allez essayer de réparer cela. Voici la solution. Suivra la solution celui qui veut sa guider et délaissera cette solution-là celui qui veut légalement pour sa propre personne. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Voilà pourquoi il a dit dans le hadith d'Al-Irbar ibn Saria, comme celui d'Abu Daoud ou à Tirmidhi, et Tirmidhi l'a rapporté et a dit que c'est un hadith authentique. Il a dit, Je vous enjoins de suivre ma sunna, al al ainsi que la sunna de mes califes bien guidés, كلا ابو بكر الصديق عمر بن الخطاب الفاروق وثمان بن عفان ذو نورين أبي سيبتيني علي بن ابي طالب رضي الله عنهم وارضاهم هل صحيح، رواه الامام احمد وابو داورا الترمذي Alors, cela est la question 50 et sa réponse. Le chef, il est après cela. Question 51. السؤال الهادي Est-ce que nous pouvons nous passer du Coran Nous pouvons nous passer des hadiths avec le Coran seulement. Est-ce que nous pouvons simplement prendre le Coran et nous passer du hadith, délaisser le hadith sans, sans regarder le hadith ou sans mettre en pratique le hadith Et seulement dire que nous suivons que le Coran. Comme c'est égalé des Coranions qu'on a dit. Al-Jawab, la réponse. الشيخ اللي لا نستغني بالقران عن الحديث nous ne pouvons pas nous baser simplement sur le coran en délaissant le hadith c'est impossible nous ne pouvons pas nous suivre seulement قال الله تعالى عز وجل اللي, وانزلنا اليك الذكر toi محمد صلى الله عليه وسلم t'avons fait reveler Les pour que tu clarifies aux gens ce qui a été révélé pour eux. Alors, tes paroles comptent pour clarifier le sens global du Coran. Les paroles du Messieurs salam, comptent. Alors, tu ne peux jamais comprendre le Coran sans passer par les ahadith. Voilà pourquoi l'imam Ahmad al a reçu le sunnah. Il dit, la sunnah, elle clarifie et explique le Coran. Et elles sont les preuves du Coran. Cela doit être mis et compris, gravé dans la tête et le cœur de tout un chacun. Pour dire que c'est impossible qu'on se suffise du Coran et qu'on délaisse le ahadith. Celui qui fait ça, écoute directement à son égarement. Qu'Allah nous en préserve. Et pour appuyer sur le message, il dit, Allah, sachez très bien. Wa inni au titre le Sachez que Allah m'a donné le Quran, wa Coran Et un autre exemplaire avec lui, qui est la sunna. Il m'a donné le Coran comme révélation. Et un autre exemple de révélation encore qui est quoi La Sunna. Et cela est confirmé dans le Coran. Allah dit au wa Deux révélations. Et souvenez-vous de ce qui était lu et ce qui est lu dans vos demeures, comme les versets d'Allah, ainsi que la sagesse. Les versets d'Allah, le savants du Tafsir ici, c'est le Coran, c'est clair. Et la sagesse, c'est la Sunna. C'est la sunna. Alors comment tu peux dissocier ces deux choses-là Dis que toi tu prends le Coran, tu ne prends pas le hadith. Cela est un évident. Et nous demandons à Allah de nous en préserver. Hadith authentique, rapporté par Abu et autre que lui. Après cela, le chef, il dit, La question, numéro 52. Est-ce qu'il nous est permis de dévancer une parole au détriment de la parole d'Allah ou au-dessus de la parole d'Allah et son messager Aïe, ce qui veut dire, est-ce qu'il nous est permis de donner plus de considération et de mettre en pratique la parole de quelqu'un d'autre au-dessus de la parole d'Allah et son messager Comme on voit beaucoup les gens le faire aujourd'hui. Ils respectent la parole de leur chouisur plus que la parole d'Allah et de la parole de son messager. D'autres respectent la parole de leur patron, d'entreprise. Simple patron d'entreprise, parce qu'il te donne l'argent à la fin du mois. S'il dit c'est blanc, même si dans la législation c'est rouge, tu le verras dire que c'est blanc. Parce que le patron, il a dit c'est blanc. D'autres, c'est leur jour. D'autres, c'est leur maître. D'accord Quel est le jugement de cela C'est ça qu'il s'agit. Et le Cheikh il dit, là, il n'est pas permis aux musulmans de dévancer une parole. En la mettant en pratique au-dessus de la parole d'Allah zawa et son messager. Et toute parole doit être mesurée et pesée dans la balance de la parole d'Allah et de son messager. Si elle est contraire, alors nous revenons à la parole d'Allah et son messager. Si elle concorde, alors nous pouvons la dire, il n'y a pas de problème. Le قول Allah Ta'ala, par la parole d'Allah il dit Ya O vous qui avez cru, là tout qu'Dieu m'obéit de Ilah ne dévancez aucune parole Devant celle d'Allah et de son messager. Toygid. Abadan. Faire quelque chose dont Allah interdit. Devancer la parole de quelqu'un. Pourtant, elle est contraire à celle d'Allah et de son messager. Ne faites pas cela. al-Hujurat, le premier verset. Et le messager sallallahu dit nous dit encore pour appuyer cela. La Torah a talimakhloukin. Aucune obéissance pour une créature. Fait ma'asiyat al Dans la désobéissance du créateur. Aucune obéissance pour une créature dans la désobéissance du Créateur. C'est-à-dire que si une créature demande de faire quelque chose qui est contraire à celle et à, aux ordres d'Allah et de son messager, alors il n'y a pas d'obéissance en cela. Haris, est authentique, rapporté par Tabarani. La parole de et la parole de Abbas aussi nous aident à bien comprendre ce sujet-là. Quand il a eu une discussion entre lui et certains tabi'in, indiscriminés certaines personnes, et qu'il argumentait avec la parole d'Allah et la parole du messager. Il argumentait avec cela, il argumentait avec les ahadis Et ces personnes-là lui donnaient chaque fois des avis qu'ils avaient soi-disant entendus Bakr et Omar. Cela si est vérifié ou pas, on ne sait même pas. D'accord Mais quand il dit, le messager dit, cette personne-là lui disait Mais Bakr a dit cela, Omar a dit cela. D'accord Alors Ibn Abbas s'est mis en colère. Il y a des ces personnes-là. Archa Antonzila Aleikum Hijar Atumila Sama. Je crains pour vous qu'Allah ne fasse descendre des pierres du ciel qui vous tombera dessus. Pourquoi? rasulullah. Je vous dis, le message sur a dit, vous devez la vous taire et écouter et mettre en pratique. Sam An wa Tonga. Wa Ta Koulun, mais vous me dites, wa Umar. Abu Bakr et Omar, Omar on dit. Moi, je vous dis, le message de il a dit, vous me dites que Abu Bakr et Omar, ils ont dit. Pourtant, là, il a dit quoi dans le Coran Il y a eu Si vous croyez vraiment en Allah, là, tout croit dit, mais il y a Ne dévancez aucune parole devant celle d'Allah et son messager. Ici, ils ont fait quoi Ils ont dévancé la parole d'Abu Bakr et Omar devant celle d'Allah et son messager. Pour nous faire comprendre bien ce sujet-là. Alors, qu'Allah nous préserve de ces actions-là. Alors, toute parole qui vous sera. Dite ce Que vous allez entendre de quelqu'un, alors c'est de connaître son authenticité et savoir si elle est concorde à celle d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, elle est réjoutée. Sinon, elle sera réjoutée. Qu'Allah nous en préserve. Après cela, le cheikh dit question numéro 53. Une très grande question. Qu'est-ce que nous devons faire en cas de divergence Quelqu'un dit, on doit croire à est sur le trône, au-dessus des cieux. L'autre dit, non, on doit croire à l elle est partout. C'est une divergence. Quelqu'un dit, non, on doit prier les bras, les bras ballants. Taib, les bras le long du corps. L'autre dit, non, on doit prier les bras sur la poitrine. Quelqu'un dit, on ne doit pas manger le porc. L'autre dit, non, on doit manger le porc. Il y a une divergence. Quelqu'un dit, la musique, elle est halal. Il n'y a pas de problème, comme les imams égarés le disent. L'autre dit, non, la musique, elle est haram. Il y a une divergence. Dans ces cas de divergence, là qu'est-ce que nous devons faire Écoutez très bien cette réponse. Le Cheikh, il La réponse Na'oudou il a kitabillahi wa sallallahu alayhi sallam. En cas de divergence, nous devons seulement et seulement revenir au livre d'Allah. « Wa sunnatis sahiha » Et à la sunna authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voyez, cela une parole générale. Pour vous dire quoi S'il y a une divergence, nous revenons aux sources desquelles nous tirons notre religion. Car nous sommes musulmans. C'est à ces sources-là que nous revenons. Nous ne revenons pas aux paroles des falasifas, des philosophes, ni des analystes, ni des scientifiques, nous revenons plutôt au livre d'Allah et à la sunna. Nous ne revenons pas au rêve d'un cheikh ou aux sensations ou bien aux sentiments d'un cheikh quelconque, mais nous revenons plutôt au livre d'Allah qui est le Coran et la sunna de son sallam pour clarifier cette divergence-là. et cela est une parole générale, pour dire que le Coran et la sunna aussi sont rattachés par leur compréhension. Aujourd'hui, nous sommes loin de l'époque prophétique. Et les compréhensions du Coran et de la Sunna sont nombreuses. Toute personne qui veut aider sa bid à son innovation trouvera à lui un verset dans le Coran qu'il va, qu va utiliser pour essayer d'argumenter et de renforcer ce qu'il de se renforcer ce qu'il fait. Mais comment pouvons-nous démêler cette mauvaise traduction, cette mauvaise compréhension de ce de, de qu'il fait de ce verset coranique-là de la vraie compréhension du Coran. On doit revenir à quoi À la compréhension des peuples prédécesseurs de à la compréhension des salaf. Voilà pourquoi les savants rattachent tout cela au Coran ou à sonna bifah salaf. Le livre et la Sunnah, effectivement, mais avec la compréhension des premiers musulmans. Car ceux-là, ils l'avaient bien compris, ils l'ont bien mis en pratique et ils nous ont laissé leur compréhension. Et en tout temps et en tout lieu, leur compréhension doit être mise en pratique. et sont réformatrices. C'est eux qui peuvent aider les musulmans. Comme l'imam Malik l'a dit, l l a umma illa rien ne peut réformer les derniers de cette communauté-là, à part ce qui a réformé les premiers de cette communauté. Et c'est le Coran et la Sunnah, conformément à la compréhension des pieux prédécesseurs. De Sinon, c'est impossible qu'on soit réformé. C'est impossible que les divergences disparaissent. Mais en cas de divergences, nous devons revenir au Coran et la Sunnah. En preuve de cela la dit si vous vous divergez dans quelque chose, petit qu'il soit. shart. C'est une nakira dans le siak de shart, en condition. Si vous divergez dans une petite chose, faites faites le revenir, il a Allah. Ce qui veut dire au livre d'Allah. والرسول أيه أو مساجي، سك يفيدير أو حديث بمسايس الله عليه وسلم. إن كنتم تؤمنون بالله، si seulement vous croyez en Allah زوجة الله، vous allez faire cela. Mais si vous voyez que vous ne faites pas cela, vous ne reverrez pas dans vos divergences au livre d'Allah et à la Sunna de مساجس الله سلام، c'est que vous ne croyez pas en Allah Allah dit c'est en condition إن كنتم تؤمنون بالله. Si vous croyez vraiment الله زوجة الله، واليوم الآخر et au jour dernier c'est ce que vous allez faire. Toutes vos divergences, vous allez revenir avec cela au livre d'Allah et à, son, à, à la sunnah de son Messiah. C'est ce qui est un bien pour vous. Et la bonne interprétation viendra de ces deux choses-là. Allah Akbar. Qu'Allah nous facilite cela. Et pour appuyer sur le Messiah, il nous dit aussi Je vous enjoins de suivre ma sunnah en toutes circonstances, en tout lieu, à tout moment. D'accord La sunnah, elle n'est pas. Euh, rétrograde, comme les gens le disent. Les temps ont changé, il faut qu'on change nos manières de voir les choses. C'est faux, d'accord Les temps ont changé, les musulmans restent les musulmans. Celui qui a créé la dounia, c'est celui qui a fait descendre le Coran, c'est celui qui connaît mieux nos situations, c'est celui qui sait ce qui peut être bien pour nous, ce qui ne peut pas être bien pour nous. C'est là qui sait tout cela. Alors, personne ne peut dire que les jugements qui sont venus dans le Coran, la sunna, sont rétrogrades et qu'on doit changer ces jugements-là. Et le fait de dire cela est de la mécréance aussi. Talent nous en préserve. Taïb, la sunna elle est réformatrice en tout temps et en tout lieu. Et elle a été mise en pratique. Question numéro 54. Pour terminer avec ça rapidement, le chef, il dit... Oui, on va terminer rapidement ici. Le chef, il dit... Comment démontrer que nous aimons Allah et son Messager, ou bien comment savoir que nous aimons Allah et son Messager C'est une question qui est très importante, car aujourd'hui on voit beaucoup de personnes dire moi j'aime Allah, nous aimons Allah, et ainsi de suite. Mais quand il s'agit maintenant de mettre en pratique, c'est là que tu vois qu'ils sont très loin de ce qu'ils disent, de ce qu'ils prétendent. Alors comment à démontrer ou bien comment savoir qu'on aime Allah et son Messager al le Sharikh il dit la réponse on sait et on reconnaît qu'on aime Allah par l'obéissance d'Allah et de son messager. Si on obéit aux ordres d'Allah et qu'on délaisse ses interdits, alors cela voudrait dire que nous aimons Allah. Si on obéit à son messager et que nous nous écartons de ses interdits, cela voudrait dire aussi qu'on aime Allah et son messager. Et en suivant leurs ordres qu'ils nous ont donnés,

Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce que je sois le plus aimé auprès de lui que son père, que son enfant, que tous les hommes, qu'il m'aime plus que son père, qu'il m'aime plus que son enfant, qu'il m'aime plus que tous les autres, les gens de la dunya. Et cet amour-là ne se démontre que par le suivi du Messiah sallallahu alayhi wa sallam et non par les innovations. Aujourd'hui, vous voyez des gens qui prétendent aimer Allah, mais ils vont innover, faire des nouvelles adorations, d'accord Comme ceux qui font le Maulid, ceux qui font les, les, les autres bid'a. Ils veulent par cela dire qu'ils aiment Allah et son messager. Pourtant, ils sont en train de désobéir à Allah. Si tu aimes vraiment Allah et son messager, ce qui demande cela, c'est que tu les obéisses. C'est la moindre des choses. Imaginez un enfant qui dit qu'il aime son père. Et quand son père l'envoie, il boude, il tape les pieds avec la terre, il serre la mine et il s'énerve. Est-ce que celui-là, réellement, il aime son père Abadan. Abadan. Mais pour celui qui ne dit même pas dans sa bouche que j'aime mon père, mais quand son père l'envoie, il court, il va et il revient, on saura directement que cet enfant, il aime son père. Même s'il ne le dit pas. C'est ça l'exemple palpable qu'on peut lui donner pour qu'on qu puisse bien comprendre. D'accord Ceci est très simple. Et ce hadith-là, il a été rapporté de façon authentique. Inanimal, rapporté par Bokhadi et Muslim. Question numéro 55 pour clore ce chapitre. Cette question-là est importante car elle vient réfuter hein, une mauvaise croyance qui est la croyance des al qadariyah Ou euh, qui est la croyance des plutôt les Jabriyah. Ceux-là qui disent qu Allah il a contraint l'être humain par le décret. Et tout ce qui est écrit, tu ne peux pas sortir dedans. C'est ce qui va se passer pour toi. Et si tu te retrouves en train de faire des péchés, ne même pas de te repentir car c'est Allah qui a écrit que tu vas le faire. Et si Allah te châtie pour ça, il aura fait du Zoul. Allah, il aura fait du zoul. Donc le Cheikh, il dit, est-ce que nous devons délaisser les actions et se focaliser seulement sur le décret qu'Allah a écrit pour nous, pour dire, bon, si Allah a écrit que je vais entrer au paradis, je vais entrer au paradis, hein, donc moi, je ne vais pas me fatiguer pour prier. Hein? Et si elle a écrit que je vais entrer en enfer, je ne vais pas me fatiguer, hein, c'est que je vais entrer. Est-ce que nous devons nous baser sur cela pour délaisser les bonnes actions C'est ce qu'est la question. D'accord Car chez les jabriya c'est ça. Hein? Tu le vois en train de faire le haram, tu dis, ah, il Allah, Repentis toi il revient vers Allah, il dit, ah, min ish. De quoi tu veux que je me réponde Hein C'est Allah qui a écrit je vais le faire. Et je ne fais que suivre les décrets. Allah le Mustaan. Quel égarement Al-Jawab le Cheikh il dit Nous devons en aucun cas délaisser les actions. En se focalisant sur le qadar. Car tu ne sais même pas ce qui a été inscrit pour toi. Le Car Allah il dit Regardez. Cette parole là Allah dit Quant à celui qui Donne de, son, de sa fortune Et qui craint Allah Il a fait les causes Il a fait les bonnes actions Et a rendu véridique La bonne parole qu Il a rendu véridique Le tawhid Et il a fait les bonnes actions Allah a dit quoi Après avoir fait ces actions -là, Nous allons lui faciliter hein, La facilité Elle Nous allons lui faciliter L'accès au paradis par les causes qu'il a fait Allah va avoir pitié de lui, Allah va lui faire miséricorde et lui accorder l'accès au paradis. Mais le deuxième verset qui vient après cela, le de Quant à celui maintenant qui fait preuve d'avarice et de méchanceté et se, sent, et se sent suffisant et qui rend mensonger le tawhid la bonne parole de la ilaha illallah. Face à nous, il y nous allons lui faciliter la difficulté. Et nous allons lui faciliter l'accès en enfer pour ses mauvaises actions. Ça veut dire qu'en aucun cas, on doit délaisser les bonnes actions. On doit tout faire, faire des bonnes actions, s'éloigner des mauvaises actions pour que Allah nous facilite l'accès au paradis. Et pas se baser sur les décrets qu'on ne sait même pas ce qu'elle a écrit. Se baser sur cela pour délaisser les bonnes actions comme le font les Jabriya qu'Allah nous préserve de cette mauvaise croyance-là. Et le message de Sallallahu alayhi wa sallam pour appuyer Non. cela, il dit, I'malu. Non Oeuvrez, faites des actions. Et chacun de vous aura la facilité de ce pour quoi il a été créé. Alors faites les bonnes actions. Le reste a été rapporté par le Bukhari et le musulman dans son authentique. Alors ici, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Comme c'est l'avant-dernier assise, voilà pourquoi on l'a réduit un peu long. pour que le بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وحفظكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته